Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est mercredi. Je sais pas combien est-ce qu'on est. Mercredi 5. Ouais, mercredi 5 avril et il est midi. Du coup, là, c'est l'heure pour les enfants de déjeuner. Et en fait, là, il faudrait qu'on sorte dans une petite demi-heure. Ouh là là, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a un rendez-vous et faut vraiment qu'on soit à l'heure. Donc on doit sortir dans une petite demi-heure, sauf que faut que les enfants aient terminé de déjeuner. Faut également que je prépare des colis Vinted et j'ai un colis immense, genre où il y a 22 articles je crois. Et en fait faut que j'aille retrouver tous les articles. Parce que bien évidemment j'ai pas tout mis au même endroit. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Maman mon amour, c'est bon? C'est bon. C'est bon mon bébé. Donc voilà, là, parce que comme Sohan, il a pas l'air d'être à manger, j'ai trop peur qu'on soit ça. Bref, écoutez, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. Maman. Oui. Je vous retrouve, ça y est, on a été à notre rendez-vous. On est dans un tout petit village de 680 habitants. On a été à notre rendez-vous, là j'attends juste que Ali revienne, il doit terminer un truc et après on va aller balader. Je pense qu'on va aller balader parce qu'il fait soleil plein, que les enfants ils ont envie de sortir un petit peu, donc on va profiter. On va aller par contre dans un autre secteur. Voilà, on va être dans notre secteur, donc on va rouler un petit peu. Là, on n'est pas vraiment à côté de la maison, pour vous dire, on est à 40 minutes de la maison. On n'est même plus en Ile-de-France, en fait, là. On n'est plus en Ile-de-France, on est à 10 minutes, ou ouais, même pas 5-10 minutes de l'Ile-de-France, mais on n'est plus en Ile-de-France. Et donc, voilà. Là, il est, pour vous situer, 14h. Sohan fait la sieste dans la voiture. C'est pour ça que... Oui, t'es réveillée? Oh non, que pas beaucoup. Coucou mon amour, qu'est-ce qui s'est passé maman? Je lui ai pris de quoi manger, un petit goûter. Dans la voiture. Il vient de se éveiller mon amour. Je comprends plus rien. Bon alors? Ça va? Ah mon bébé. Bon, allez go. Les maisons en pierre claire là, comme ça c'est trop trop beau. Ouais. La petite forêt. Les filles, je vous retrouve. En fait, avec Ali, on est super fatiguées. Genre, on a sommeil. On est bien plus tard. Hein. Il est presque 16h. On a fait des tours. Voilà, on a été en campagne. Et là, on est dans l'ancienne ville où on vivait parce que j'avais des colis à déposer et il y avait un point relais. J'avais un colis qui est immense. Genre, il y a eu 24 articles d'un coup. Ali ressort avec les deux. Oh non, je suis dégoûtée. Pourquoi? Pourquoi c'est écrit sur internet? Oh non, mais je sais même pas où aller là. Y'a rien à côté de chez nous, je suis dépitée. Et... On regarde sur l'intérieur. Bah après, y'a le second, tu m'as dit qu'ils étaient fermés. Bah viens, on va là-bas, on va voir. Ils sont sérieux déjà? Oh. Regarde. Gars. Je t'aime, je suis fatiguée de ouf là. Mais tellement plus tard pour vous dire, il est 20h05. Je vous ai pas du tout repris avant parce que en fait j'étais vraiment KO. Je sais que c'est relou que je fais que de dire ça. Je sais pas si c'est le ramadan, mais là j'étais épuisée, vraiment trop fatiguée. Et donc dans la voiture, déjà j'étais pas bien. Je commençais un peu à m'endormir. Je commençais à avoir des migraines qui revenaient. Donc quand je suis rentrée, je suis partie pour m'allonger, mais impossible de dormir parce que Sohan il faisait la Java. Et du coup, je me suis dit, vas-y, à 19h, je monte dans les chambres, faut qu'à 20h tout le monde dorme. Et je suis montée coucher Sohan à 19h et à 19h30, il dormit. Alhamdoulilah, je suis trop contente. J'espère juste que ça a duré pour que je puisse manger tranquillement. Donc j'ai pas du tout eu besoin de cuisiner d'ailleurs ce soir. Parce que hier j'en avais fait suffisamment et du coup, bah, de toute la journée j'ai pas cuisiné. Pour les enfants, il y avait de quoi manger. Et là, je vais vous montrer ce que je vais manger pour le tour. Donc hier j'avais fait des pizzas, du pain, et là c'est des lasagnes, et je vais vous montrer en sucré ce que je vais manger. Le salon est rangé aussi, ça fait grave plaisir.
Donc, j'ai encore des gâteaux aux fraises. Et là, c'est vraiment ce que je voulais manger ce soir. Du coup, ici, on a une sorte de tarte à la pistache. Elle est excellente. J'en ai mangé hier. Là, on a un flan à la vanille. Trop bon. Et là, on a un cheesecake spéculoos. J'ai commencé à en manger ce matin. Une tuerie, je vous jure, extrêmement bon. Et là, on a mes petites dattes fourrées aux amandes avec de la coco. J'ai également préparé mon petit thé ici. Et des petites gélées. Et il n'y a plus qu'à... Donc là, je vais me poser. J'ai une demi-heure avant de manger. Je vais juste me poser mon chat. Et prendre un peu de temps pour moi. Hello, je vous reprends le lendemain. Hier, je vous ai dit, hein, j'étais éclatée. Du coup, j'ai couché les enfants hyper tôt pour pouvoir avoir ma soirée. Bah, sachez que c'est pas du tout finalement ce qui s'est passé parce que Swan, il nous a fait encore énormément de réveils. Ali, quand il est rentré à 2h du mat, il est parti en haut pour dormir avec Swan parce que vraiment, c'était horrible. Malgré ça, quand on s'est levé pour manger, Swan était avec nous. Il a pas voulu se rendormir. Enfin, vraiment, à tout péter au compteur, on doit avoir allé peut-être 4 heures de sommeil. Enfin, mis bout à bout. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu fatigué. Là, il est déjà 11h30. Ali est parti récupérer les filles à l'école. Et moi, je vais leur faire un truc vite fait à manger, genre des pâtes pour déjeuner. Et puis écoutez, je vais vous ramener avec moi. Dans l'idée, aujourd'hui, il fallait vraiment qu'on aille faire des courses parce qu'on reçoit dans les jours à venir. Et donc, il fallait qu'on aille aux courses. Sauf que je sais pas si Ali sera partant parce qu'il est hyper KO. Et moi, en même temps, on a tellement de courses à faire là que je pourrais vraiment pas tout porter. Donc... y aller toute seule, c'est même pas envisageable. Ouais, franchement, en plus je suis KO, donc non, c'est pas envisageable. Donc je vais voir avec lui. En même temps, on avait un rendez-vous de base à 14h. Il m'avait dit hier soir, tellement il était fatigué, qu'il pensait appeler pour le repousser. Là, je sais pas si on va y aller ou s'il va réellement repousser. Donc écoutez, on verra. Je sais pas comment se passera cette journée. J'espère que vous, votre nuit s'est passée mieux que la mienne. Je vous ramène avec moi, c'est parti. Swan, tu klaxonnes comme ça, mais tu es fou, mon enfant. C'est une bêtise. Swan, il fait des bêtises. En plus, c'est jeune, regarde. Ah oui, mais ils ont cru qu'ils s'étaient fait klaxonner. Bon, les filles, on vous retrouve. On a déposé les enfants à l'école. Et on a décidé de sortir. On s'est motivé parce que vraiment, il faut qu'on fasse des courses. Du coup, demain, on reçoit. Et après, demain aussi. Donc, il y avait plein de choses à prendre. Et là, du coup, on est à Évry. En fait, de base, on avait un rendez-vous. Et on s'est dit, autant faire les courses à Carrefour d'ici. Parce que moi, de base, j'aime pas faire ici. Parce que j'ai mes habitudes dans mon Carrefour habituel. Et après, je prends trop de temps, en fait, quand je suis pas dans le bon Carrefour. Mais en même temps, il y avait des trucs qu'il n'y avait pas dans mon autre Carrefour. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y aura ici. D'ailleurs, regardez le bonnet de Sohan, là, le bonnet écharpe. Ça me fait penser aux années 90. Nos mamans, elles ne mettaient pas trop des trucs comme ça. Et forcément, c'est ma mère qui nous l'a offert. Ça me tue, c'est trop mignon. Bon, ça change, hein. C'est pas du tout ce que les gens mettent aujourd'hui. Ah bon, du coup, les filles, je vous retrouve. On est à Carrefour. Encore, j'ai l'impression d'y passer ma vie. Le rendez-vous, là, était long. Il m'a donné mal au crâne. Et Sohan, à un moment, il commençait vraiment, vraiment à s'embêter. Donc, je suis contente que le rendez-vous soit fini. Là, on va faire les courses. J'ai une grosse liste. J'essaie de m'y tenir quand même. Pour pas acheter tout et n'importe quoi. Mais j'aime bien ce Carrefour, en fait. Même si j'ai pas l'habitude de faire mes courses ici, je trouve qu'il y a souvent des bons plans. Donc, je vais voir quand même s'il y a les assiettes dont je vous parlais. Vous savez, j'en avais acheté à l'unité. Je vais voir s'il y a le coffret ici. S'il y a, je vous le dirai. Bon, les filles, je vous retrouve. Du coup, on a fait les courses. Je vais vous faire un retour de course en rentrant à la maison. Alors, je suis montée voir quand même est-ce qu'il y avait le set à assiettes dont je vous parlais. Et il n'y avait pas. La seule chose que j'ai pu avoir, du coup, c'était deux assiettes creuses comme ça. Donc, qui va avec ce que j'ai déjà à la maison. Pour vous resituer, j'ai des assiettes à dessert comme ça. J'en ai pris 4. Là, pour les bols, il n'y en avait que 2. Donc, j'en ai pris 2. Donc, ça, c'est en vert. Il y avait du beige. Mais en beige, il n'y avait absolument plus rien. Mais je suis trop dégoûtée parce que vraiment, le set, il est introuvable, genre nulle part. Donc je sais même plus quel Carrefour faire, mais je pense que là c'est mort. Et les dernières pièces qui vendent, bah, pas en set en fait, qui vendent à l'unité, c'est uniquement ça qu'on peut trouver. Mais bon, c'est pas grave, déjà très contente de ce que j'ai pu trouver. Là, on s'en va pour récupérer les enfants à l'école. J'espère qu'on sera pas en retard, qu'on se prendra pas les bouchons. Mais j'ai pas du tout vu tout ce dont j'avais besoin à Carrefour. Alors il y a des trucs qui deviennent hyper compliqués à trouver depuis que c'est le ramadan. Donc la mascarpone et la chapelure. C'est le truc, c'est une galère vraiment pour trouver. Ça va pas tomber sur soi, non?
Et donc, il n'y en avait pas. Je me suis dit que j'allais passer à Lidl, mais là, j'ai plus le temps parce qu'on n'est pas vraiment à côté de l'école. Donc, on va récupérer les enfants et selon l'heure, on verra si j'ai le temps vite fait ou pas de passer à Lidl. Donc, écoutez, c'est parti. Bon, les filles, je vous retrouve vraiment, vraiment plus tard pour vous situer. Il est quasiment 18h et il faut que je commence à préparer le retour. Depuis qu'on est rentré à la maison, Swan a été infernal, donc ça a été impossible pour moi de vous prendre avant. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Donc, j'ai pris du beurre comme ça à Carrefour. Donc, ça, je l'ai pris à Carrefour normal et je l'ai payé plus cher que le gros format, donc que j'ai pris à Carrefour City. J'étais un peu dégoûtée. J'ai pris de la mozzarella, la mascarpone. Je l'ai pas du tout trouvé à Carrefour normal, donc j'en ai pris à Carrefour City. Et franchement, je suis contente d'avoir pu en trouver parce que c'était vraiment une galère. J'ai pris des poivrons, donc les poivrons maintenant ça coûte hyper cher comparé à avant. Voilà. On a pris également des courgettes, des bananes, encore des fraises, des tomates. Oulala. On a pris des carottes, des pommes de terre, des champignons. Ouais, voilà. De la mâche. Du navet. Ensuite on a pris des gâteaux pour les enfants. Bon, ils ont ouvert les paquets, mais en soi c'est les petits oursons de Lu et elles sont en train de goûter. On a également pris ces gâteaux, donc en fait c'est des sticks au chocolat comme ça là. C'est trop trop bon, c'est les fingers, mais je préfère largement ceux de Carrefour. On a pris du couscous. On a pris des pistaches. En ce moment c'est vraiment mon péché mignon. Le soir là je passe ma life à grignoter des pistaches. J'ai également pris du coup des petites cacahuètes grillées comme ça, ainsi que des noix de cajou. On a pris du couscous, mais je vous l'ai déjà dit. J'ai pris mes Twix caramel beurre salé, c'est tellement tellement bon, j'aime trop ça. Et là en fait on est parti, on jeûne, donc vous vous doutez qu'on a pris un petit peu de tout et n'importe quoi, j'ai honte. On a pris des bonbons Samia, donc des petites fraises et au cola. J'ai pris encore de la levure chimique, j'ai pris du double concentré de tomates, donc j'ai pris de la marque Panzani, franchement ils sont vraiment bien. Je prends toujours minimum 2 paquets de ce genre de choses parce que c'est vrai qu'on utilise assez souvent. J'ai pris de la purée de tomates nature, donc j'ai pris 3 paquets pour être tranquille un petit moment, c'est vrai que ça aussi ça va assez vite. J'ai pris du chocolat blanc comme ça en tablette. Donc ça c'est surtout pour faire tout ce qui est pâtisserie. Je pensais notamment à faire des cookies au chocolat blanc. J'ai pris de la crème liquide. On a pris du soja, de la sauce soja. Des frites au four. Donc là c'est vrai que pour ce qui est frites potatoes, on fait plus du tout à la friture, on fait uniquement au air fryer. Et franchement c'est génial, j'ai pris des potatoes au four. On a pris des biscuits cuillères comme ça, donc vu que j'ai pris des fraises, de la mascarpone et tout, je me dis que je pourrais faire un gâteau ou un truc sympa. On a pris de la brioche, une fois de plus des yaourts pour les enfants, on n'a pris qu'un paquet parce qu'on en avait encore à la maison. J'ai pris des spaghettis, donc 1 kg, et j'ai pris également du pain demi comme ça, mais sans croûte, ainsi que ça. Voilà, on a 12 paquets, il y avait une promo je crois. Et là en tout pour les courses on en a eu, alors attendez, c'est 93 euros à Carrefour et 13 à Carrefour City, donc pour 106 euros. Voilà, et en soi on va être tranquille. Ouais, on va être tranquille, en fait ça va vite, hein. Les fruits et légumes déjà ça va super vite. Mais pour tout ce qui est purée de tomates, double concentré, les frites c'est un gros paquet. Le beurre c'est voilà, ça t'achète pas tous les deux jours non plus. Donc ouais en fait on va être tranquille un petit moment. Voilà. Donc écoutez, je vais ranger tout ça. Là Swan il me laisse quelques secondes de répit, sinon je vous jure c'est que des hurlements. Ah et je vous ai montré mais amazing. J'aime trop. Bref, voilà. Je range tout ça et on se retrouve. Merci. J'ai l'impression que la luminosité elle est bizarre sur mon appareil photo, je sais pas. Bref les filles, je suis débordée, je me suis aperçue que j'avais pris 2 paquets duo de pâte feuilletée, vous savez en gros il y en avait 2 dans un paquet. Et ils sont restés dans la voiture et Ali est partie bosser avec la voiture. Et en fait j'ai un petit peu peur que vous savez ça devienne tout collant et que ça soit plus possible de l'utiliser. Ali me dit qu'il fait froid donc que peut-être ça va le faire. Je ne sais pas, on verra. Là je termine de ranger vite fait. Franchement heureusement qu'Inaya elle est là parce que je suis complètement débordée, je vous jure.
Je vais faire des petits kebabs avec des potatoes ce soir. Je suis sortie mon blanc de poulet, du coup je vais l'assaisonner, je vais le faire cuire et tout. Et écoutez, voilà, ce sera le menu de ce soir. Hyper simple. J'ai encore des desserts que faut qu'on termine, donc je vais rien faire de plus, ça va être très bien comme ça. J'aurai mon petit kebab, un petit dessert. Mais en vrai, je voulais vraiment coucher les enfants tôt, comme hier, parce que vous voyez bien. Les filles, je vous reprends, regardez juste l'état de la maison. Alors, je vous explique, il est quasiment 19h, je viens de mettre mes potatoes dans le air fryer, je vais venir cuire mon poulet, l'assaisonner, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des stories à faire pour El Nabil, et j'aurais très bien pu les faire en avance et tout, sauf que j'attendais gentiment le code promo, parce que vu que le code promo est arrivé un peu tardivement quand je l'ai fait sur YouTube, bah, j'avais pas envie en fait de faire attendre les personnes qui voulaient commander de suite. Et vu que j'ai eu le code promo aujourd'hui, en fait la personne qui s'occupe de moi, elle était malade et du coup bon bah ça a pris un peu plus de temps et tout. Et bah vu que j'ai eu le code promo que maintenant et qu'il est valable 24h, je me suis vraiment speedée pour faire mes petites stories sur Instagram. D'ailleurs je vous mets mon Instagram si jamais ça vous intéresse. Parce que bah il se passe plein de choses quand même. Faut pas se mentir, je suis quand même active, enfin j'essaye de l'être en tout cas, sur Instagram. Et je vous partage tout un petit peu bah, dans l'instant même. Donc voilà, après c'est vrai que YouTube ça reste vraiment ce que je préfère. C'est la vraie vie. Vous voyez, c'est la vraie vie. On a Sohan qui crie en fond, qui pète les plombs. Bref, voilà, en tout cas je vais directement m'attaquer bah, au tour. Je voulais trop, je vous jure, faire manger les enfants tôt et les coucher parce que... Mais ça va être compliqué là. Les filles, je suis désolée, j'étais au téléphone avec ma mère, donc hyper simple, j'ai mis de l'huile, j'ai mis mes oignons à revenir, ensuite j'ai mis mon blanc de poulet avec de l'ail, de la pulpe d'ail, du sel, du poivre, une épice poulet que j'ai acheté, j'ai rajouté mes champignons ainsi que mes olives et j'ai mis trois fromages tartinettes du cheddar. Donc maintenant j'ai mis mes petits pains au four, ça y est, ils ont chauffé, je vais les sortir, je vais les ouvrir. Ouh là là, bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah mon amour. Bismillah. Bismillah, c'est bien mon cœur, c'est très bien. On va manger? Enfin, tu vas manger? Bon, du coup les filles, voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait les assiettes. Il est 19h33, j'attends que les enfants terminent de dîner. Je vais monter les coucher. J'ai également sorti ma petite assiette de dessert. Donc là, il reste du flan et une tarte à la pistache qui est incroyable. Donc je les sors maintenant du frais, comme ça ils seront juste parfaits quand ce sera l'heure de manger. Puis écoutez, voilà, j'ai préparé mon petit verre de Raybi. Hop. Il me faut également mes petits comprimés. Comme ça, bah, tout à l'heure, j'ai juste à descendre et tout est prêt. Hop. Je vais mettre ça sur la table. Les filles, je vous retrouve, il est 21h04, donc il fallait manger à 20h30. Du coup, Inaël m'a monté une date, mais Sohan ne dormait pas encore. Et là, du coup, je suis descendue pour manger parce que Sohan s'est enfin endormi. Franchement, c'est compliqué. Donc là, je vais aller manger, j'ai trop trop faim en plus. Bon app. Bon les filles, je vous retrouve, il est déjà 22h, là ça y est, c'est vraiment fin de journée, je vais aller me poser, prendre un peu de temps pour moi, j'ai ma petite infusion, je vais faire un peu de lecture parce que franchement avant de dormir ça me fait grave du bien. En fait j'ai trop peur de m'endormir parce que ces derniers temps je m'endors d'épuisement et en fait genre allez 15 minutes à tout péter après, on a Sohan qui se réveille et du coup bah, je me retrouve à courir dans les escaliers à moitié réveillée et à être dans le mal de ouf.
Voilà. Donc parfois je me dis autant ne pas dormir et attendre que Ali rentre parce que bah du coup quand il rentre, c'est vrai qu'il prend le relais. Après il faut savoir que Ali et moi on est hyper différents de ce côté-là, c'est-à-dire que moi en fait quand je me réveille, je peux prendre genre une heure et demie à me rendormir, je vais tourner dans le lit, etc. même si je suis épuisée. Alors qu'Ali peut se réveiller et se rendormir à la minute d'après, je sais pas comment il fait. Et du coup même lui il m'a dit que le mieux c'était qu'il gère Swan quand il est là. Et puis en même temps ça aurait été hyper compliqué je pense de gérer toute la nuit, genre le coucher, le début de nuit et toute la nuit, parce que là en fait je gère jusqu'à à peu près 1h30, 2h du matin et après Ali prend le relais. Enfin bref, voilà, je me suis j'ai raconté toute ma vie du sommeil de Sohan. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui les filles, du coup on a eu un rendez-vous comme je vous disais avec Ali, c'était un truc en vrai c'est vrai que ça concerne pas YouTube et que peu importe l'issue de ce rendez-vous, il n'y a rien qui allait changer en tout cas pour nous, pour YouTube. Donc quand j'en suis sortie, moi j'étais assez mitigée et c'est dingue parce que Ali est hyper positif. Donc on a eu le même rendez-vous, on nous a dit la même chose et lui il en est ressorti, il était content. Et moi je suis ressortie, j'étais en PLS. En fait c'est là où je réalise à quel point Ali c'est quelqu'un de positif et je vous jure ça fait trop du bien au quotidien d'avoir quelqu'un d'optimiste, de positif, qui se prend pas trop la tête et tout. Parce que moi je suis du genre à stresser pour rien, à avoir du mal à relativiser, etc. Et c'est vraiment dommage. Et ça faut vraiment que je travaille dessus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'ailleurs les filles, je vous le redis là, mais le code promo Elnabil, il donne moins 55%. Il est valable uniquement 24 heures. Donc si jamais je vous remets le lien de Elnabil, j'en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo. Donc voilà, ça fait 55% de réduction. C'est pas du tout négligeable. Donc je me suis dit, je vous le redis ici, parce que c'est vrai que je vous l'ai dit sur Instagram, mais je vous ai pas redit ici. Bref, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.